indésirables. Donc, bienvenue ce vendredi saint de la répète. J'ai eu gym ce matin. Dis-le encore un cacheton de merde. Bah, quand il y aura des médicaments vrais, ça se saura. Pour l'instant, c'est des médicaments. C'est comme quand il y aura un gouvernement vrai, ça se saura. Pour l'instant, c'est un gouvernement. Après, il y avait sport ce matin, c'était génial. Faut que je garde de la batterie pour la répète. Ouais, j'y ai souhaité. J'y ai pensé. Levothyrox. Ah ouais. Bon, après le sport, ce soir il y a répète, ça veut dire peut-être méga mûr. Bon, normal. Ça, ça va. Un traitement hormonal, quoi. Est une molécule qui circule dans nos corps, à tout le monde, sauf quand on a eu une thyroïdectomie totale. Donc c'est une molécule qui ne nous fait pas de mal, qu'on est là simplement sur le changement de deux excipients, qui sont en plus des excipients acide citrique et mannitol, qui sont... C'était cool le mardi à yoga et le vendredi à gym. Donc, bien entendu, c'était super cool. Qu'il y a zéro problème potentiellement. Peut-être qu'il peut y avoir des interactions... Mais c'est pas ça sur les notices. Il y a écrit, bon... Bon, s'il y en a moins d'un sur mille qui meurt, on peut le vendre. Bon. Il y en a moins d'un sur 100. Il faut mettre les effets secondaires. Moins d'un sur 10. Merci beaucoup, Vulengar. Effets secondaires. Oui. Je sais pas, j'ai un troisième bras qui a poussé. J'ai deux yeux en plus. Oui, dans une lettre ouverte qui est adressée au gouvernement, il réclame une meilleure information. Bon, il faut de la batterie pour le répète. L'expérimentation animale Julie Dubois avec Elisa Travin.